Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de votre fidélité. Vendredi 23 janvier, ce soir, nous serons accompagnés d'Amboudi Ali. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du MODEF. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité des agriculteurs. Ce sera juste après les titres de la journée. À la une de l'actualité, cette agression subie par le président du Conseil général hier en fin de matinée. 24 heures après ces événements, une manifestation spontanée s'est mise en place ce matin. Les agents des citoyens qui voulaient montrer leur soutien à Daniel Zaïdani. Les quatre prévenus qui ont déversé des excréments de zébu sur le président, eux, sont déférés devant le parquet. Les jeunes agriculteurs risquent jusqu'à 3 ans de prison ferme. Autre titre de l'actualité, ce problème de réseau Orange qui a perturbé la communication une bonne partie de la journée. Presque aucun numéro ne fonctionnait, un problème de tension, indique le représentant de Orange Mayotte. On fait le point. Mais avant de développer ces titres, on en vient à cette bagarre générale qui a éclaté en début d'après-midi du côté de Mgombani. Le conflit est latent. Depuis quelques jours, deux bandes rivales s'opposent au collège. Aujourd'hui, le conflit a pris des proportions inquiétantes. Des coups de chombo ont été échangés, Shakila Issouf. C'est après la sortie des classes que le mouvement de foule commence à se former. Un peu plus tôt dans la journée, des patrouilles de police surveillent le secteur. En effet, la veille, une bagarre avait déjà éclaté aux alentours du collège de Mgombani. Les forces de l'ordre craignaient que des représailles n'aient lieu aujourd'hui. À peine parti, un jeune de 17 ans se fait agresser, au cutter ou au couteau, selon les premiers éléments. Il s'en sort avec une entaille au bras, mais déjà autour du collège, les curieux se rassemblent, faisant fi du danger. La mère était rapidement prévenue de ce qui se passait. Le jeune aurait trouvé refuge à l'intérieur du collège. Plusieurs personnes ont été interpellées par la BAC dans la journée. Les agents de la brigade section d'intervention arrivent également rapidement sur place. Au total, une dizaine de policiers sont mobilisés. Pour le moment, impossible de savoir ce qui s'est réellement passé. L'adolescent a été entendu au commissariat dans la foulée. L'enquête, elle, se poursuit. Et je vous le disais en titre, l'actualité est largement dominée par cette agression, une agression du président du Conseil général. Les agents ont symboliquement fait une marche afin de montrer leur indignation au vu de ce qui s'est produit hier dans l'hémicycle Younous Abamana. Ils étaient plus d'une trentaine d'agents rassemblés au sein de la cour de la maison décentralisée. La marche a débuté à l'arrière du Conseil général. Ils sont ensuite descendus jusqu'au comité du tourisme, faisant le tour du rond-point. Zainab Deré, reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimené. Indigné, c'est le message que l'ensemble des agents du Conseil général ont voulu faire passer aux Mahorais pour que ce genre d'acte ne se reproduise plus. Plus que la personne, c'est une institution et le 101e département qui se retrouve aujourd'hui sali par cette image. Alors que pour deux des quatre agresseurs, le président Daniel Zaïdani avait signé le contrat de bail, c'est ce que nous explique Ismaïl Kordji. Moi qui les ai beaucoup accompagnés,
J'ai là les baux qui avaient été signés. Je trouve que, surtout les deux personnes qui ont eu leurs baux signés, qui ont fait ça, je trouve que ce n'est pas responsable. Et le conseil général n'est pas aussi responsable de la situation. Colère, tristesse, indignation, tous ces sentiments s'entremêlent, reflétant l'atmosphère de cette marche. Les quatre jeunes éleveurs sont toujours en garde à vue et risquent 3 ans de prison. La suppléante du député européen Younous Omarji condamne cet acte. Cet acte qui a été fait, c'est pas un acte pardonnable, mais derrière aussi, il faut regarder et mettre l'accent sur les agriculteurs, parce qu'il n'y a que l'agriculture qui peut développer cette île. La marche s'est terminée au comité du tourisme. Les agents ont regagné la maison décentralisée. Ils espèrent tous que ce genre d'acte ne se reproduise plus à l'avenir et que les mises en cause vont être sévèrement condamnées. Et les réactions se sont succédées depuis hier. L'indignation des habitants qui indiquent aujourd'hui qu'il s'agit d'une agression à l'encontre d'une institution. On rappelle donc que le président du Conseil général va porter plainte. 4 personnes étaient toujours placées sous le régime de la garde à vue ce matin encore. La population, elle, montre son soutien au président du Conseil général. Écoutez ces réactions recueillies par Shakil Issouf. Tout le monde est extrêmement choqué par ce qui s'est passé et que l'on dit qu'on ne peut pas laisser passer ça. Il faut qu'on manifeste notre indignation de ces actes inqualifiables. J'exprime mon incompréhension sur cette affaire parce qu'il y a des élections dans 2 mois. Donc les élections, c'est le meilleur moyen de montrer ses souffrances, de montrer ses mécontentements vis-à-vis d'un élu. Franchement, depuis hier, moi je suis vraiment choquée de voir cet acte-là. Et vraiment, comme le disait le président, on sait pas, si c'était autre chose que ce qui a été fait. Admettons que ces gens-là avaient une arme, ça aurait été vraiment catastrophique. Donc il ne faut vraiment plus admettre ça. Plus jamais on veut voir ce qui s'est passé hier. Et puis, soutien des habitants, soutien également des politiques. Depuis ce matin, les témoignages affluent. Ancien Babana, la maire de Sada, parle clairement de cette question qui aujourd'hui doit être soulevée. Quelle sécurité pour les élus ? Aujourd'hui, vraiment, je suis très émue et se pose désormais la sécurité des élus dans les institutions, que ce soit dans le département ou dans les mairies, dans les 17 mairies de Mayotte. Maintenant, je me dis, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous, élus. Les élus n'ont pas la réponse à tout. Les élus font leur travail avec toutes les difficultés qu'il y a actuellement en matière de crise financière au niveau donc, de la France et des départements d'outre-mer. Nous sommes armés de bonne volonté, mais nous n'avons pas la réponse à tout. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas la réponse à tout que ça justifie ce genre d'acte. C'est pour ça que, avec tous mes collègues élus du département, nous condamnons fortement l'atteinte de l'institution départementale de notre île. C'est vraiment quelque chose d'inexcusable. Et puis sachez que quelques minutes après la réalisation de cette interview, la mère de Sada était victime d'un vol alors qu'elle était à l'intérieur de sa voiture. 2 individus, un jeune homme et une jeune fille, ont ouvert la portière de son véhicule avant de dérober ses affaires et de s'enfuir en passant par des petits sentiers. J'ai cru qu'ils voulaient s'en prendre à ma personne. J'ai cru que mon cœur allait lâcher. Voilà les mots de Madame le maire juste après son agression. Et puis on en vient justement à cette sécurité. Depuis 1 mois au Conseil général, il est difficile d'entrer à l'intérieur sans présenter une pièce d'identité. Désormais, ce sera un geste récurrent à effectuer. Un badge vous sera fourni afin de pouvoir vous déplacer à l'intérieur de l'institution. Shakila Issouf et Leslie Vimené nous apportent plus de précisions.
4 jeunes éleveurs ont pénétré dans l'hémicycle et ont déversé des excréments de zébu sur le président du conseil général. Les individus sont vite interpellés, la police arrive rapidement sur les lieux. Mais aujourd'hui, la question de l'accessibilité de l'institution se pose. Si jusqu'alors, il était facile d'entrer à l'intérieur du conseil général, face aux événements, des dispositions vont être prises. Hier, dans l'hémicycle, on était convié par monsieur le président du conseil général et son équipe pour signer les subventions. Oui. Comme la semaine dernière, il y avait le groupe des transporteurs, donc hier c'était le groupe des femmes qui allaient signer les conventions. Oui. À la deuxième signature, des groupes de jeunes qui sont venus vers monsieur le président et lui a versé 2 bouteilles. Nous ne savions pas au départ c'était quoi, mais après on était choqués, glacés, on ne savait pas pour quelle raison ces jeunes-là, ils ont fait cet acte. Mais après on a vu que c'était des jeunes entrepreneurs. La sécurité s'est renforcée à la maison décentralisée. Depuis cette agression, le président du conseil général a déposé plainte. Les 4 mises en cause risquent 3 ans de prison ferme pour agression sur une personnalité publique et violation d'une institution de l'État. La qualification exacte de ce qui s'est produit hier sera définitivement donnée par le procureur de la République, Joël Garrigue. La direction du conseil général réorganise l'accès pour les usagers et compte renforcer la sécurité. Les agents, les usagers, un certain nombre de personnalités doivent se présenter à l'accueil avant d'accéder au niveau de l'enceinte du Conseil général. Parce que vous savez, avec la venue des élections, avec un certain nombre de dysfonctionnements qu'on a vus, il est nécessaire de pouvoir filtrer l'accès à ce site. L'identification est très simple aujourd'hui. À chaque fois qu'un usager se présente à l'accueil, il doit fournir une pièce d'identité pour se faire identifier. Et puis en échange d'un badge qui lui permettra d'accéder en lieu et place où il doit avoir rendez-vous. Il y aura un avant et un après 22 janvier. Rien ne sera plus pareil au Conseil général. Une ambiance délétère règne désormais au sein de l'institution. Voilà une actualité donc marquée par ces faits qui se sont déroulés hier à l'hémicycle Younous Abamana. On en parle avec mon invité Amboudi Ali. Bonsoir. Bonsoir. On rappelle donc que vous êtes le président de la Fédération départementale syndicale agricole des exploitants familiaux de Mayotte. Alors un premier mot, est-ce que vous étiez au courant de ce que prévoyaient les jeunes agriculteurs ? On n'était pas au courant, mais ce que nous avons vu, nous, organisation MODEF Mayotte, nous étions concernés parce que ce n'est pas... C'est la personne qui nous a, la personne du président du Conseil général, ainsi l'institution qui a été attaquée. C'est dans ce sens-là. Mais je crois, au fond de cela, il y a une malaise dans nos campagnes, dans nos champs. La génération évolue. La génération de mon père n'est pas notre génération. Vous comprenez, les choses changent. Il y a l'Internet, les gens voient, les jeunes lisent. Donc moi, si je disais que ce qui s'est passé n'est pas bon, c'est aussi, il faut savoir qu'il y a une malaise au sein de, je le répète, ce mot malaise une deuxième fois, parce que les agriculteurs se sentent oublié. Alors justement, par rapport à ça, on a vu dans le reportage de Shakila Issouf que justement, on évoquait le cas des agriculteurs, qu'il y avait un référent au Conseil général qui s'occupait de ces dossiers. Donc c'est que les choses avancent finalement. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu dialoguer, vous peut-être, entre agriculteurs avant peut-être de permettre que ce genre d'action n'arrive ? J'imagine qu'il y a un dialogue entre toutes ces fédérations, ces confédérations et ces syndicats. Nous, quand nous disons qu'il y a une malaise, ce n'est pas seulement dans nos campagnes, même dans nos relations. Mais les relations, il ne faut pas le laisser seulement au sein du Conseil général. Ça veut dire que les agriculteurs sont divisés aujourd'hui ? Il y a des gens qui sont là pour nous diviser. Je n'ai pas à dire, mais on le sent et on le sait. Et je crois, en disant ici, la personne qui nous écoute est consciente que cela, ça n'est ainsi. Donc moi, si j'ai un mot à dire, c'est seulement dire que
le futur élu qui va nous représenter sache que le meilleur métier qui existe, c'est notre métier de l'agriculture. Parce que le matin, quand on se lève, on prend son pain, c'est produit par les agriculteurs, on prend son café, c'est produit par les agriculteurs, et on se pose la question, est-ce que les Mahorais ne sont-ils pas en mesure de produire le café? Pourquoi il n'y a pas une volonté, pourquoi une politique à ce sens? Donc moi je dis que c'est vrai que ce qui s'est passé, on le répète, notre organisation condamne, ne le soutient pas parce que ce n'est pas une manière de le faire. Manifester, c'est un droit régalien et inscrit dans la Constitution. Mais il y a une façon de le faire et je pense toucher notre... Il faut reconnaître que c'est notre président. Le conseil général est plus important. C'est ma fille qui m'a inculqué ça quand elle était en quatrième, que papa, le conseil général est plus important que la préfecture. Je ne savais pas ça, c'est ma fille qui m'a inculqué. C'est pourquoi je dis qu'on a un devoir de respecter nos élus dans ce sens-là. Voilà, c'est vrai que cette notion de respect a été évoquée hein, par la maire de Sadan, Chia Bamana, par des personnes qui se sont exprimées. Est-ce que vous êtes entré en contact avec ces jeunes agriculteurs? Est-ce que vous savez pourquoi ils ont commis ce geste? Je crois qu'ils ont commis ce geste à travers... Qu'est-ce qui leur est passé Il me semble-t-il, plus particulièrement, c'est le problème de foncier. Mais je crois qu'on ne peut pas donner uniquement la responsabilité aux conseils généraux, au service du conseil généraux. Parce que lors de l'état généraux, en 2009, a été signé par Sarkozy qu'on devait avoir à Mayotte un établissement foncier ou un SAFER. Si cette institution était à Mayotte, je crois que ça aurait dû nous faciliter. Parce que dire au conseil général de sacher nos grands-pères, nos pères, nos parents dans leur terrain, parce que ça leur appartient, je trouve ça anormal. Et si, derrière tout ça, on disait à nos parents, je vous demande de quitter cet endroit, mais on vous récompense, je comprendrais qu'il y aura une issue, parce que ceci a été fait partout dans la République. Quand on écarte quelqu'un pour aller ailleurs, on les indemnise. Donc si c'était dans ce sens-là, je comprendrais. Mais je crois que nous avons aussi un devoir à proposer et à réfléchir à ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez peur qu'il y ait des représailles après cet incident, après cette... Je ne pense pas, parce que vous savez que je vous ai dit tout à l'heure que c'est une génération, c'est une autre génération. Ce n'est plus la génération de mon père, ce n'est pas la génération de Port Saïd, etc., etc. C'est une génération qui ont fait des études, c'est des jeunes qui ont des BTS, qui ont fait leurs études, qui savent de quoi ils parlent. Et c'est pourquoi je crois que j'ai lancé un appel aux futurs élus qu'ils ont un devoir à écouter les paysans. Parce que ce que je sens sur le terrain, et c'est qu'on sent sur le terrain, s'il n'y a pas une écoute, ça risque de changer. Parce que dans un pays, le premier élément qu'on doit faire, c'est développer l'agriculture. Le pays français ou le pays européen, c'est le développement de l'agriculture. De l'agriculture a été la première chose qui a été faite. À Mayotte, on oublie cela parce que l'agriculture, c'est la clé qui peut nourrir et qui peut garder la population dans un endroit bien déterminé. Alors un fait assez surprenant qui nous a, nous en tout cas, marqué, ce sont ce moment où ces quatre agriculteurs revendiquent donc cet acte, en indiquant bien qu'il s'agit du syndicat des jeunes agriculteurs. Donc c'est vrai que par rapport à la mentalité, par rapport à l'évolution, on la voit. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez ou vous sentez que ce genre d'opération coup de poing pourrait se reproduire? Je suis convaincu, parce que vous savez, quand vous êtes dans une exploitation, vous produisez et vos produits ne sont pas vendus, vous ne gagnez rien et vous pensez
gagner quelque chose à la fin du mois et vous avez des dettes à payer, vous comprenez. C'est pourquoi je crois qu'on est dans une agriculture une agriculture économique dont les gens veulent vivre de leur métier. Donc je crois que et on a constaté que je le dis comme ça, les bureaucrates veulent décider pour les agriculteurs. Et c'est là, ce n'est plus l'époque. Quand je dis les bureaucrates, ceux qui sont au bureau veulent décider pour nous. Et on trouve ça anormal. On prend l'exemple, très prochainement, il y a madame, la directrice de l'Odiadom va être à Mayotte. Je vous dis, les organisations syndicales ne sont même pas concertées. Et quand je discute avec les uns et les autres, ça leur fait mal. Avenir incertain donc pour les agriculteurs au jour d'aujourd'hui à Mayotte. Je pense que le débat sera tout simplement lancé après donc ces derniers événements. Merci beaucoup, on vous dit Ali, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je vous remercie. Dans l'actualité également, le réseau Orange qui a été paralysé pendant 4 heures ce matin. Toutes les communications sur les fixes ou les opérateurs et les portables étaient donc interrompues. Un numéro d'urgence a même été mis en place pour permettre à la population de joindre les secours. Alors que s'est-il réellement passé? Les explications de Camille Leca. Si vous êtes client Orange Mobile ou détenez un fixe, quel que soit l'opérateur, impossible pour vous de passer un coup de fil ce matin. Impossible aussi de vous connecter à votre Livebox. De 5h30 à 9h30, le réseau du premier opérateur de Lille était en panne. Explication avec Alain Smerecki, directeur d'Orange Mayotte. Cette panne générale de réseau est la conséquence d'un problème électrique qu'on a eu sur le classe 4 de Mamoudzou. Donc le classe 4 de Mamoudzou, c'est un des gros centrales de Mayotte qui permet de relier le réseau fixe et le réseau mobile. Le problème technique à l'origine de la panne est vite repéré. Il y aurait eu une défaillance entre la liaison du réseau électrique EDM et le réseau de secours de l'opérateur. Un problème que les services surveillaient depuis quelques jours. On constate depuis un certain nombre de jours qu'il y a des problématiques de surtension sur ce central. Donc on est en train d'investiguer d'où viennent les causes de surtension. Et en fait, ça a mis HS, notre inverseur de surtension. Pour les concurrents SFR et Only, pas de répercussions majeures à déplorer sur les réseaux. Seuls les appels des téléphones fixes ou émis vers des lignes orange étaient bloqués. Politique maintenant avec cette guerre de clans qui s'amorce à l'UMP. Les investitures des candidats de Sadeï de Chirongui divisent le parti. Arity Abdoulaye et le sénateur Abdourahmane Swalihi appellent les militants à se réunir demain à Tsangabitch. Une réunion s'oppose à la Ligue soutenue par Adadi Andilani pour qui les candidatures sont closes et définitives. Des divisions qui ne sont pas de bon augure à l'approche du début officiel de la campagne pour les cantonales, Camille Leca. Il y a de l'eau dans le gaz au sein de l'UMP. Les candidatures pour représenter les 13 cantons de Lille sont-elles aujourd'hui closes? Sur la question, les avis des membres du parti divergent. Principal point de discorde, les candidats désignés à Sada et à Dembéni. Mais s'agissant de leur grand air, nous avons investi tous les cantons, mis à part deux cantons. Celui de Dembéni, même si nous avons un candidat qui a clairement demandé l'investiture de l'UMP, qui est M. Darkaoui et Mme Corinne Avis. Et nous avons le canton de Sada, où nous avons un problème énorme qui va même de l'unité du parti. Pas uniquement dans ce canton, mais au niveau départemental. Donc nous autres, qui sommes les membres du bureau, qui sommes membres du comité départemental, nous n'acceptons pas. La veille, Adadi Angilani avait pourtant été clair dans ses déclarations à la presse. La liste est arrêtée et définitive depuis hier soir. Il ne reste donc que deux candidats à investir sur les 13 d'ici la semaine prochaine, ceux de Pamandzi et de Dzaoudzi l'abattoir. Le chargé de mission campe aujourd'hui sur ses positions. Abdoulaye Harithi, c'est un militant qui n'a aucune responsabilité dans la fédération. Et ce n'est pas à lui de prendre des décisions, c'est au chargé de mission et son bureau de décider. La décision est prise pour le canton de Sada, ça sera Ali Madi et Manisha Sabil.
Et pour le canton de Dembéni, ça sera Darka Toaliha et Madame Avis Corinne. Voilà la situation. Et c'est la, toute personne qui se réclamerait de l'UMP à partir de maintenant, c'est un dissident. Malgré cette menace qui pèse, Arity Abdullah, avec le soutien du sénateur Abdourahman Swahili, ne compte pas s'arrêter là. Il a convoqué militants, élus, candidats et cadres du parti à se réunir dès demain matin à Msanga Beach. À l'ordre du jour de ce comité départemental élargi, l'organisation de la campagne et bien sûr les investitures de Sada, Dembéni et même Chirungi. La guerre semble maintenant déclarée. Allez, tout de suite, place à l'actualité en bref dans votre journal. Après l'annonce en novembre d'Outre-mer Télécom concernant une hausse de ses tarifs à compter du 1er janvier, l'autorité de la concurrence a vu une possible manœuvre pour affaiblir Outre-mer Télécom face à SFR avant le rachat par Numéricable. L'enquête ouverte le déterminera. La condition de compétitivité n'aurait pas été respectée et un vice viendrait entacher la procédure. Nous allons répondre aux questions en toute transparence, indiqua porte-parole du groupe Numéricable SFR, confirmant au passage que le processus de cession était déjà bien avancé. On connaît d'ores et déjà les figures politiques qui disparaîtront à coup sûr de l'hémicycle. Ainsi, Ali Bakar, le conseiller général UMP d'Omsambo, rejette l'éponge. Saïd Omar Wali Dunema non plus ne se représentera pas, tout comme Sarah Moussou, Nissiaka Abdila ou encore Jacques Martial Henry, vice-président et conseiller de Mamoudzou III, inéligible. Ali Moussa, conseiller général de Chirungi, s'en va également, ainsi que Issoufi Amada, qui n'a pas été sélectionné par le MDM pour prétendre à sa succession à Tsingoni. Le SNUPP attaque encore et toujours la problématique des rythmes scolaires et son application dans les écoles en rotation. Selon le syndicat, plus d'une trentaine d'écoles qui fonctionnent avec des rotations appliquent le nouveau dispositif, notamment à Chirungi maternelle, Iloni, l'abattoir 6 et 7, Pamandi 7 maternelle ou encore Amjago plage. De son côté, Nathalie Constantini explique que partout où cela était nécessaire, les adaptations des rythmes ont été recherchées et appliquées. On en vient maintenant à cette formation. Cela fait 2 semaines que les adhérents de Force ouvrière bénéficient d'une formation découverte. Le but, se former sur le droit afin de pouvoir se défendre en cas de besoin. D'autres formations sont prévues tout au long de l'année, assigna Moussa et Leslie Vimenez. Connaître ses droits pour mieux se défendre en cas de conflit avec son employeur, voilà l'objectif des formations découvertes proposées par le syndicat FO à ses adhérents depuis 2 semaines. Nourriture, logement, l'intégralité de la formation est prise en charge par la Confédération et ouverte à tous les adhérents. C'est essentiel pour, aussi pour qu'ils puissent avoir une connaissance par rapport aux discussions qu'ils ont avec les employeurs, bien entendu, hein, pour connaître aussi leurs droits. C'est surtout une question de droits. Quand on parle de loi du travail, hein, ce sont des droits qui sont, eux, instaurés dans le Code du travail, que ce soit en métropole ou bien entendu que ce soit à Mayotte. Une bonne initiative qui permettra aux représentants d'être mieux armés et de mieux défendre les salariés et leurs intérêts. Dans la vie de tous les jours, ça va m'apporter à comment défendre les salariés. Déjà, et comment les syndiquer, les intéresser au syndicat, et comment se former pour se défendre. On va pouvoir défendre nos intérêts personnels ainsi que ceux des autres. Et ça en plus aussi pour Mayotte. Mayotte est un nouveau département qui est en plein développement. Et justement, ils ont besoin de personnes motivées et disponibles comme nous pour pouvoir avancer. Consciente de l'importance de ces formations, la Confédération FO a prévu d'en organiser tous les 2 mois jusqu'à la fin de l'année, avec à chaque fois une nouvelle thématique. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouverez la météo d'Ornella Perrine, suivie du journal en maoré et du temps de parole. Je vous souhaite un excellent week-end sur KTV. Vous retrouverez les rendez-vous de l'actu samedi et dimanche à 19h. On se retrouve lundi pour un nouveau journal. Kwaheri.